Salut tout le monde, c'est Bas2101, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo une journée à la ferme. Donc il y a un moment que j'en avais pas fait sur la chaîne, il y a au moins un an si je dis pas de bêtises. Il y a eu une période où j'en faisais pas mal et là ça fait un moment que j'en ai pas fait et je me suis dit ben, pourquoi pas vous en refaire une. Donc là vous allez voir notre quotidien sur la ferme l'été forcément. Donc nourrissage des bovins, paillage. Après forcément à faire un petit peu d'autres trucs, donc du broyage d'orge, une petite livraison de fourrage et peut-être un petit peu d'épandage de fumier. Donc là il est 7h-10, donc on va pouvoir aller commencer par donner l'ensilagère aux vaches. Alors petite nouveauté, quand on arrive dans le bâtiment, on a mis une petite décoration. Par contre, première étape avant de distribuer, on fout un petit coup de balai dans les auges. Alors là, vous allez me dire pourquoi il y a des ballots de paille dehors. Alors la raison est toute simple, c'est qu'on avait une dizaine de ballots qui chauffaient dans l'hangar, donc on a préféré les sortir que ça prenne feu. Donc là, avant les vaches, je vais juste distribuer l'ensilage d'herbe dans ce bâtiment-là. Donc là, on a une tarie là au bord, on n'en a plus que dans ce carré-là. Juste après des belles engraissements et au fond à l'eau de génisse. Et donc là, comme je suis là, on va profiter pour mettre un petit coup de pailleuse. Et aussi, je pense à remettre les deux tôles là en bas. Et voilà, magnifique! Déjà une bonne chose de faite. Et là, ensuite, on pourra distribuer l'ensilage d'herbe aux vaches. Donc là on peut voir que les mémères elles en raffolent. Là un petit coup de pailleuse à ces bons là. Après je vais venir leur distribuer leurs granulés. Après pour les petits veaux, évidemment pailleuse quasiment ralentie. Et voilà un petit peu de repos pour toi mon pépère. Donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite livraison de foin. Donc le foin cette année, comme il y a un très bon rendement, on en avait un peu trop, on a quand même fait le choix de tout faire et de tout rentrer. Et on va en vendre là un petit peu avant l'hiver et le surplus on en vendra aussi un petit peu dans l'hiver. Et voilà, les 12 ballots sont sur le chariot. Et voilà, livraison faite. Donc là ensuite, on a une entreprise qui va venir pour broyer l'orge qu'on a gardé de l'autre jour. Donc voilà, là, le broyeur est placé. Donc au final, le boudin, on le met juste ici, là, dans l'alignement dans la cour. Donc pour le poids qu'il gagne, il nous a dit qu'il y aura à peu près 7-8 mètres. Donc pour là, dans la cour, ça ira très bien, ça ne nous gênera pas. Donc là au final on va vider la benne dans la petite trémie là et avec la vis ça monte dans la grosse trémie. Après c'est broyé et ça ressort juste là. On pense évidemment à se protéger les oreilles. Et c'est quand même bien ces casques parce que je m'entends même pas parler. Maintenant on lève un petit peu le terrain de tir.
Et voilà, une fois tout ça fait, on va pouvoir commencer à épandre du fumier. Donc là, la paille d'orge, je vous l'avais dit la semaine dernière, on l'a déjà charriée. Et une fois le carré vidé, on peut épandre le fumier. Et sûrement que demain, j'irai déchaumer derrière. Alors non, je vous ai menti, on n'a pas charrié tout la paille, il restait juste un ballot. Donc je vais juste le décaler et je le reprendrai en partant. Et le premier godet de la journée, que je vais pas vous filmer toute la corvée de fumier parce que je vous ferai sûrement une vidéo fumier dimanche prochain, je pense. Et voilà, la vidéo touche malheureusement à sa fin. Mais si ce petit une journée à la ferme, un petit peu à l'ancienne, vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et moi sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et à une prochaine. Allez, salut!